On est en compagnie de Dominique Delanoz, étudiant en génie biomédical à l'École polytechnique de Montréal, le lauréat de la Bourse d'excellence aux études supérieures 2013 présentée par Gestion Féric, représenté en la personne de l'ingénieur Jacques Laparie, le président du conseil de Gestion Féric. Merci de votre soutien. Alors, il a eu une moyenne parfaite de 4,3 sur 4,3. Je ne sais pas si vous avez fait aussi bien à l'époque. Pas tout à fait. Pourquoi avoir choisi le métier d'ingénieur? Moi, personnellement, c'est ma curiosité au niveau scientifique. Tout ce qui est technologie, développement de nouveaux appareils, principalement au niveau médical. En terminant la maîtrise, disons que c'est un gros soulagement de pouvoir compter sur ces fonds-là. Et puis, c'est quelque chose qui me stimule énormément pour pouvoir continuer mes recherches. Isabelle Galarneau, étudiante en génie électrique à l'École de technologie supérieure, lauréate du premier prix universitaire du mérite 2013 d'une valeur de 7 500 $ quand même. Bravo! Merci, merci. Je finis mon bac bientôt. Je finis mon bac cet été. Puis là, j'ai déjà fait des stages en entreprise. Donc, je pense que j'ai déjà un petit peu un parcours de tracé chez Hydro-Québec, Transénergie. Donc, je souhaite vraiment aller travailler là. Donc, à la fin de mes études en août. C'est vraiment bientôt. Avec nous, Nicolas Fabien Ouellet, étudiant en génie des bioressources à l'Université McGill, deuxième lauréat du prix universitaire du mérite présenté par TD Assurance Meloche-Monex, représentant la personne de Mme Nancy Hammond. Merci d'être ici, vice-présidente marché de l'affinité Québec et Atlantique chez TD Assurance Meloche-Monex. Un prix d'une valeur de 5 000 $. Bravo. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous aimeriez faire avec la bourse. Avez-vous des projets en vue prochainement? Avec la bourse, ça va m'aider à financer une éventuelle maîtrise que j'aimerais faire en renaturation des cours d'eau, des marais ou des lacs, bref, des écosystèmes en milieu humide. Puis c'est pas très développé au Québec, donc j'aimerais ça amener ça au Québec si c'est possible, s'il y a des professeurs qui comptent m'aider à faire ça. Avec nous maintenant, Myriam Caron-Saint-Pierre, étudiante en génie électrique à l'Université de Sherbrooke, la troisième lauréate du prix universitaire du mérite, présenté par la Banque nationale. Et d'ailleurs, avec nous, M. Mario Quentin, le vice-président Laval-Rive-Nord à la Banque nationale. Merci. Merci, bonjour. Je suis dans le groupe de collaboration internationale en ingénierie de l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est un groupe de 6 étudiants. Puis on s'en va au Burkina Faso de septembre à décembre 2013 pour aller faire un projet d'aide humanitaire. T'as besoin d'aide, la Banque nationale est là, on peut t'aider aussi. Hein? il faut qu'on trouve des commanditaires pour commencer la construction. Tu viens me voir. On a des stages en génie. Donc, c'est des stages rémunérés qui aident à financer les études, mais étant donné que j'ai choisi de faire un projet d'aide humanitaire, j'aurais pas nécessairement de salaire pendant mon stage là-bas. Donc, c'est un 3 000 $ qui fait une différence. Et félicitations encore une fois.